petit bébé. Ça va. Tu joues avec Karine? Bisous à ta soeur. Allez. Ouh. Et c'est qui ça? Tu n'as pas conduit quand même. Referme. Voilà. Alors, tout le monde est là? Oui. Ah, non, bébé chou. Ça va, hein, petit? Tu nous fais poireauter. Bon, non. Bon, Charles, hein, tu as ton congé au soir. Hein. Je conduis moi-même. Hein? Merci. Bon, à demain. Bon, dedans, tout le monde. Hein. Je veux conduire. Tu veux conduire? Ah, plus tard, petit, hein, plus tard. T'as encore les pieds trop courts. Vous prenez Rexo avec vous derrière. Allez. Ouais. Et mon petit. Ah, là. C'est toi qui as fait mon bonbon à la cuisine. C'est pas moi. C'est toi. C'est pas moi. C'est toi. Hey, c'est pas moi. C'est toi. Du calme là derrière. Hein? Papa va se fâcher. Fais gaffe, hein. Tu as peur? Oui, bien sûr. Et donc, ça fait un boucan terrible. Oh, doucement. Doucement. Aïe, aïe. Aïe, tu me fais mal. Gigi, tu es là? Oui, je suis là. Hello, mon petit boubou. Ça va, toi? Tu sens? Ah oui, juste un petit tour, quoi. Un petit tour? Bah oui. Dis donc, tu peux pas avoir un peu de... Je sais pas, assez d'argent sur moi, là. Oui, je n'en ai pas assez. Je ne sais pas, 20 ou 30 000. Oh, ça ira, quoi. Ça ira? Ouais, ça va. Je le cherche dans mon sac. Alors. Où ça, à la chambre? Oui, sur le lit. Ok. Allez. Franck? Oui? Tu m'intrigues un peu. Pourquoi? Tu viens me chercher tous les soirs. Mais tu es aussi très discret en ce qui concerne ta vie privée. Je ne sais rien de toi, ce que tu fais dans la vie. Et ça, ça me gêne un peu. Ouais, c'est vrai, tu es curieuse. Hein? Tu n'as pas changé, n'est-ce pas? Tu n'as pas beaucoup changé. C'est mon droit, non? Ben, je m'occupe des affaires de mon père.
Mais je bosse. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas dit de porter tout le couffin et lui là dedans. Mais il fait chaud, Romaine. Comment tu comprends pas ça? Hein, le pauvre petit bébé avec tout ça. Oh là là, viens mon pauvre. Moi je te dis que quand il fait chaud, tu lui enlèves ça. Hein? Il est malheureux là dedans. Hein mon bébé? Hein? Allez, viens, maman, va t'enlever ça. Ah, tu te mets à l'aise, tu ne te couvres pas de plein de trucs comme ça quand tu as chaud. Regarde, je tiens même mon bouton. Tiens, ça, tu vas me mettre du fil là-dessus pour arranger. Et hop. Et hop. Ah, il a chaud, mon bébé. Allez, mets-toi là. Là. Oh, tu n'as pas besoin des coups de pied. Qui donne des coups de pied à maman, là? C'est toi? Allez, je vais te rendre ça, maintenant. Tu fais mal à maman, tu sais. Est-ce que tu sais ça? Tu ris, tu ris, tu ris quand tu fais mal à maman? Oh, qu'est-ce qu'il est fort, bébé. Oh. Hey, mon trésor. Attends. Attends, je vais t'essuyer. Voilà. Oh, regarde qui vient là. Voilà l'homme de ma vie. Regarde qui vient là. Bonjour. C'est Tata. Je regarde ici. Oh, 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 Coco, qu'est-ce que tu fais encore là? Comme quoi? Il est 11h. Je suis en retard, maman. Bon, c'est pas arrêter tes conneries. Mais d'habitude, tu vas à 8h. C'est pour ça que je suis. Oh, Ginette, je ne fréquente plus le lycée. Je sais. Je suis en quatrième année d'économie. Et puis, moi, c'est pour ça que tu as affiché un gros paquebot là sur la poitrine. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Très chic. Super. Super. Alors, Sandrine, on va trouver le pain charmant. Ah, ben, bonne chance, ma chère. T'as vu Tata, là, ce qu'elle fait? Ah là 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 là, dis-lui au revoir. Bye bye, Tata. Mon gars vient me chercher. Oui, mais se basse toutes les deux. Toujours. Salut. Ça t'intéresse? Tu disais, je peux pas rester avec toi ce soir. Ce soir encore. Encore ce soir. Mon gars vient me chercher. Toujours, on te cherche. Toujours, on te cherche. Tu vas débrouiller toute seule. Ah bon? Mais tiens, alors, je vais te retard. Merci, au revoir. Comme ça toute la journée. Quoi? Mais voilà une que j'attends. Mais j'ai l'air de quoi, moi? Mais tu as l'air d'une belle fille, ma cocotte. Allez. Tu me flattes. Ah, ben, t'es jolie, ma cocotte.
C'est quel malade? Chambre 6. C'est éboulé. Éboulé. D'accord. Il est de quel groupe sanguin? Groupe O. Résus positif. D'accord. Là, la banque de sang Baga est là. Oui. Je vais voir. Alors, je récupère le sang et je monte. Oui, Ginette. Docteur, le malade là. Les mains comme ça. Les deux mains. Voilà. Voulez-vous? Voilà. Il est prêt, docteur. Inspirez, monsieur. Un peu plus fort. Expirez maintenant. Janvier, viens. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-moi la cour. Hein? Les plantes se dessèchent, des feuilles mortes dans les pots de fleurs. Qu'est-ce que tu fais ici toute la journée? On vous paye pour quoi? Alors ne reste pas planté là comme ça. Va chercher quelque chose. Tu arroses les plantes et puis tu nettoies tout ça. Les plants. Et qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu me coupes toutes les plantes du jardin? Hein? Tu fais la vilaine, hein? Et c'est pas l'heure de jouer maintenant. Allez, on va se laver, on fait ses devoirs. Dépêchez-vous! Voilà, chérie, comment tu vas? Bien. Oh, t'es super. Oh. Allez, tu viens. Allez, viens. Flatteur. Super. Quelle heure, ça? Enfin. Tu veux pas du champagne? Ah, mais non! Je veux pas du champagne à cette heure-ci, là. Bon, c'est okay. Pas possible. Janvier? Qu'est-ce que c'est que cette tenue de clochard? Je te paye tous les mois. Tu sais, il est payé comme un agent comptable, ce mec. Hein? Tu n'es pas capable de t'acheter un pantalon correct, hein? C'est pas le quartier ici, hein? Ça va pas se passer comme ça. J'affecte les employés de maison. Bon, voilà, ramasse-moi ça. Et j'ai le même problème chez moi. Pourtant, le salaire qu'il prend, mon Dieu, même un fonctionnaire de... Ramène ça! Enfin, passe le temps, je peux aujourd'hui et on verra.
Mais tu te rends compte, là? Qu'est-ce que tu... Encore que toi, c'est ton ami, hein? Chez moi, ce n'est guère mieux, hein? Les domestiques, c'est tout un problème. Romaine! Ah ben tiens. Apporte-moi des verres de whisky, là. Avec beaucoup de glaçons. Bon. Vraiment, c'est genre. Hein. Je suis juste en train de sortir les glaçons. Bon, ouais. bon, ça va. Bon, je te sers ou tu te sers? Allez, vas-y, tu me sers comme toujours, Maxi. Ça va? Maxi, ça ira comme ça. Alors, on se la passe? Ah ouais. À notre santé. À la bonne tienne. Merci. C'est bon, ouais, l'étiquette noire. Nah, ça fait du bien, ça. Bonjour, monsieur. Je vois Coco, s'il vous plaît. Quoi? Ah, pardon, je voulais dire Colette. Colette? Oui, monsieur. Tu ne peux pas dire comme ça, Colette. Coco, c'est pas un nom, ça. Toutes mes excuses, monsieur. Ben, vous voyez bien qu'elle n'est pas là. Ah, pardon, je peux laisser un message, s'il vous plaît? Et puis quoi encore? Écoutez, la pause, c'est à côté, hein. C'est malin, ça. Je comprends. Alors, monsieur. Avec ses amis chez le voisin. Mais il joue avec ses amis, rien l'heure qu'il est, Karine. Vous devriez être dans le bain maintenant. Et toi, tu le laisses tout seul, et il menace de pleuvoir en plus. Tu dois te comporter comme la maman quand je suis pas là. Hein? Excuse-moi, maman. C'est pas grave, tu vas aller le chercher. Je mets tout ça dans le champ. Tu ranges mes chaussures. Surtout, tu vas récupérer rapidement. Dépêche-toi. Prends aussi les clés. Papa est déjà venu. Oui, il est dans sa chambre. Ah bon? T'es là, ma chérie? Oui, déjà. Karine a dit que tu es revenu. Comment ça se fait que tu sois là? Non, non. Je suis revenu à 17h30 parce que j'avais rendez-vous avec un client. Il a téléphoné à la secrétaire pour décommander, alors. J'espère que tu ne vas pas avoir des problèmes. Depuis un certain temps, tu reviens bientôt. Que tu vas chercher? Moi aussi, non, parce que, écoute, David, tu te reviens. Voilà. Et là, 17h30. Depuis un certain moment, j'ai remarqué. Ben, je te trouve là, alors que d'habitude, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, j'organise mon travail en responsable, okay, quand même. Monsieur le directeur, alors. Je te fais confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu es toujours dehors quand on te cherche. Le voilà qui rentre, le petit démon. Hein? Tu vas te promener avant rien? Hein? Alors, fais un bisou, Stéphane. Comment ça va? Bien. Ta maman va bien? Oui. Alors, ça va, jeune homme? Oui. Eric? Oui. Où étais-tu? Dehors. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'avais un blessé. T'as fini tes devoirs? J'ai pas de devoirs. T'as pas de devoirs? Oui. T'as lu ton roman? T'as pas lu? Il faut toujours lire, hein? Oui. Non, maintenant. Stéphane, rentre chez toi parce que toi, tu dois
sûrement avoir des devoirs à faire, n'est-ce pas? Hein? Oui. Tu vas les faire et ta maman doit s'inquiéter pour toi. Vous, allez voir Romain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On amène les enfants. Oui, oui, d'accord. Bon, maman, je suis vraiment crevée. Je vais aller m'échanger. Tu t'en vas comme ça? Masse-moi un peu. Ouais. Ouais, mais c'est ouais. Quoi? Ok. Tu vois, c'est le blazer marine que tu m'as offert. Ouais. Je peux. Je ça pense peut aller avec ça. Tu n'aimais pas les talons plus hauts que ça ou bien... Non, faut pas quand même que je te. Non, non, le prix n'a pas d'importance. Je t'ai dit, prends ce qui te plaît. Ouais. Hein, ça, j'aimerais dire. Alors, madame, nos paquets sont prêts? Monsieur. Ah, voilà, parfait. Merci. Merci, madame. Au revoir et à bientôt. Au revoir, madame. Bon, ok, bonne journée, madame. Ce n'est pas une vie de toujours vivre empoté, dit le mauvais pétunia. Ce n'est pas une vie de toujours vivre sous serre, dit la botte de hier. Ce n'est pas une attention, vie... Attention, tu fais toujours des fautes. Je ne fais pas de fautes. Ce n'est pas une vie de toujours vivre sous cloche, dit la rose du petit prince. Comme ils sont heureux, les asphodèles et les volubilis avec leur nom accouché dehors. Passion. Pourquoi tu dis si fort? J'avais une hache et elle est tombée à l'eau. C'est comme si j'avais perdu ma main droite. Patience, je vais la retrouver, dit la sirène. Et elle plonge. Bonjour les enfants. Bonjour. Oui, maman. Elle est là. Karine, comment tu vas? Elle fait quoi? Elle avait le bébé. Tu l'appelles, s'il te plaît. Comment, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis aussi... Gigi, comment tu vas? Ça va bien, ma chère. Mais ça fait longtemps. Je te vois plus dans le quartier. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là? Non, non, on a déménagé depuis un petit moment. Quoi? Mais pourquoi vous avez déménagé? C'était bien là-bas. Non, on ne pouvait plus tenir. Mais pourquoi? Est-ce que c'est d'où a eu des problèmes? Depuis qu'on a, que mon mari a perdu son travail, on ne pouvait quoi? Plus tenir. Bah ouais. C'est d'où a été compris ici? Ouais. Mais tu m'apprends des choses. Ça fait 4 mois là, hein. Ça fait 5 mois déjà. 5 mois? Mm-hmm. Mais pourquoi Jaffé ne m'a rien dit? Moi, je ne comprends rien. Pourquoi il m'a rien mais dit? Mais maman, de quoi vous parlez? Allez, chérie, allez dans la chambre. Allez jouer dans la chambre, maman arrive. Mais assois, je comprends. Vous étiez complice. Bah oui, ouais. Mais pourquoi tu n'es pas passé midi? C'est moi quand même, c'est long. Le pauvre, mais ça doit être très difficile. Comment vous faites? Mais c'est pour ça qu'on a été obligé de replier au quartier. Avec ces indemnités de licenciement, on a pu acheter un petit fonds de commerce et avec ça maintenant qu'on fait manger les enfants. C'est du commerçant. Et toi, tu supportes le rythme. Ouais, pauvre ami. Je n'arrive pas à croire. Mais comme Jaffé, c'est pas sérieux. Il m'a rien dit. Non, mais je crois que... Mais il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais. Mais quoi?
Ami, dis-moi, tu me caches... Est-ce qu'il y a autre chose? Tu me caches autre chose? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es au courant de rien, mais là, tu me surprends. Tu me surprends. Tu me surprends. Parce que je suis allée récupérer les deux, c'est le même jour. Les deux ont perdu leur emploi. Ça fait compressé? Je sais pas. Je crois que je suis en train de dire des bêtises. Ne fais pas cette tête-là. Tu attends qu'il revienne le soir. Et... Tu crois qu'il joue la comédie? Qu'il part tous les matins, revient à midi, repart l'après-midi alors qu'il ne travaille pas? Tu crois qu'il peut faire un truc pareil? Il ne faut pas faire cette tête-là. Il vaut mieux l'attendre venir. Il faut l'attendre venir. Oh non, non, tu ne vas pas faire ça. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Tu arrêtes de faire ça, s'il te plaît. Tu considères que je t'ai rien dit, tu l'attends venir. Tu arrêtes de faire ça. S'il te plaît, tu arrêtes. Ça sert à rien. Hein? Tu arrêtes de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu considères que je t'ai rien dit. Bon, ben, je n'ai même pas assez de temps de m'occuper de toi. Il faudrait que je parte. Avec mon petit commerce, je ne peux pas laisser les garçons. Ils vont me réunir. Hein? Ils vont tout prendre là-dedans. Gigi, écoute, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Il ne faut pas faire ça. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Pauvre Japhet, pauvre Ginette, la vie se joue, je vous. Oh, oh, oh. Pauvre Japhet, pauvre Ginette, est-ce que la vie est contre vous? Oh, oh, oh. La vie est faite de haut, de bas, de joie, de peine. Maman, qu'est-ce que tu as? C'est rien, mon chéri. J'ai juste un peu mal à la tête. Ça va passer. Laisse ma moto. Arrêtez, ça va, ça va. Janvier! Vous allez aller prendre votre bain. Vous vous mettez en pyjama. Amène-les dans la salle de bain. Qu'ils prennent leur bain. Tu les mets en pyjama. Ils vont manger tout à l'heure. Et puis tu amènes tout ça. Bonsoir, Juliette. Tu es de retour, quoi. Même si les gosses. Ils sont en train de prendre leur bain. Tu sais, je parle partiel. On sait. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air bien. Non, ça va. T'es sûre? Je vais vraiment pas me raconter. Ça va, il n'y a rien, je t'assure. Alors tant mieux. Parce que je vais sortir tout à l'heure. Mmh. Bonsoir. Ginette, je te présente Franck. Franck, Ginette, ma soeur. Ok, je dépose mon sac et je vais.
n'es pas encore au lit? Tu m'entendais? Oui, t'es déjà tard. Tu es malade? Où est-ce que tu vas? Tous les jours, matin et après-midi. Où je vais? Alors là, je croyais que c'était une histoire. Si c'est pour les filles, tu sais très bien que c'est pas mon propre. Arrête. C'est ce domaine. Moi, j'ai toujours dit que je voulais pas aborder ce genre de sujet avec toi parce que je sais que les hommes fidèles, il n'y en a presque pas. D'accord. J'ai dépassé ce genre de. Oui, je sais, mais alors pourquoi? Pourquoi tu demandes ça? Dis-moi où tu vas tous les jours, depuis 4 mois. Mais je vais au travail. Tu vas où? Je vais au travail comme tout le monde. Ensuite, bon, avant de venir tu à la maison. Au travail, comme tout le monde. Oh? Enfin, pourquoi? Au travail. Ben oui, au travail. Pourquoi au travail, au travail? Tu n'as pas honte. Honte de quoi? Depuis combien de temps tu as été comprise? C'est pour ça. Enfin, qui te dit ça? Est-ce que c'est ça l'important? Qui m'a dit ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Je le sais maintenant, c'est tout. Non, je veux savoir qui t'a dit ça. Parce je que le sais, et c'est l'essentiel. Ah, ça, ça le concerne, celui-là. Ce qui se passe dans ta vie ne me regarde pas. Mais ça n'a c'est rien ça. À voir, ça n'a rien à voir, mais chérie. Mais alors quoi? Tu me dis, on vient raconter des trucs. Je enfin, crois arriver. Hein. Non, écoute. Tu restes tranquille, hein? Tu pars de la maison. Tu vas, tu viens, tu ne penses à rien. On continue à gaspiller de l'argent. Tu te rends pas compte. Quel argent, Spie? Qu'est-ce qu'on fait d'autre que de... Mais on a maintenu le même rythme de vie. Mais où est le mal? Il y a les enfants, il y a moi. Est-ce que tu penses à leur avenir? Mais pendant je ne fais que ça, mois, je ne fais que ça si je travaille. Pendant 4 mois, tu as traîné, je sais où. Et on continue à faire des dépenses inutiles, je dis bien inutiles. Mais... Tu dis ça comme si je me suis couché et puis que je fais plus rien. Mais tu t'es couché, je ne sais pas de mes enfants. Mais... Je me rappelle, tu m'avais avant tu te demandais jamais tu n'avais jamais cherché à voir ce que j'avais dans mon portefeuille comme argent. Mais je me suis rendu compte, enfin moi je n'avais pas fait attention à ça. Mais de temps en temps tu me dis que tu n'as pas de carburant, ce qui ne t'arrivait jamais. Ça m'arrive pas. Ça veut dire que quelque part tu as de sérieux problèmes. Mais avoue-le quand j'ai même. J'ai des problèmes, mais pas encore sérieux. Pas encore sérieux. C'est pas encore sérieux. Tu veux qu'on tombe à zéro pour que tu te rendes compte que c'est... Non, parce qu'on tombera pas. Je n'avais pas. Non, écoute, tu déraisons complètement. Tu déraisons complètement. J'ai l'impression que tu n'as pas... Tu t'es pas encore rendu compte de ce qui nous arrive. Hein? Parce qu'on aurait pu se réorganiser en tenant compte de ta nouvelle situation. Hein? Donc, en définitive, de quitter cette maison, aller habiter à... Vendre ta voiture, qui ah, est une grosse cylindrée qui ma consomme... voiture. Bien sûr, ah, on aurait question, pu envisager tout ça. Non, pas question. Écoute, si tu comprends tu ça. Sais, non, j'ai l'impression que tu as été tellement bouleversé que tu n'as pas pris la peine de réfléchir sérieusement à ce problème. Hein? J'ai quand même eu 4 mois pour réfléchir. J'ai été compressé effectivement il y a 4 mois. Non. Et j'ai réfléchi pendant tout ce temps. Non, non, désolé, j'ai l'impression que tu ne comprends pas encore très bien la situation. Nous sommes à un tournant de notre vie. Tu n'as pas encore compris ça. Alors, je vais te laisser réfléchir parce que moi aussi, je suis très fatiguée ce soir. Je vais te laisser réfléchir. Je vais aller me coucher. Je vais essayer de me reposer. Parce que depuis que j'ai appris ça, je suis complètement bouleversée. Japette, pauvre Ginette, la vie se joue de vous. Oh, oh, oh. Pauvre Japette, pauvre Ginette, est-ce que la vie est contre vous?
Bonsoir, Ginette. Encore debout à cette heure-ci? Ouais, je n'ai pas sommeil. De toute façon, tu ne dors pas beaucoup. Depuis quelque temps. Ouais, ça n'a rien. Ces jours-ci, je n'ai pas sommeil. Tu sais, Ginette, je pensais justement à notre enfance tout à l'heure quand je rentrais des cours. Tu te rappelles quand nous étions toutes petites? Maman disait toujours, oh mais tiens, voilà mes petites filles, mes complices. Mais qu'est-ce qu'elles mijotent encore pour ce soir? Tu te souviens? Oui, je m'en souviens très bien, au bon vieux temps. Ouais, mais depuis un certain temps, tu ne me parles plus beaucoup. Tu ne me dis plus rien, je ne sais plus ce qui se passe dans ta tête. Tu sais, je suis préoccupée par mes problèmes. Tu es au courant, tu sais ce qui se passe. Oui, je sais. J'affecte. Je ne veux pas mener la famille à... Enfin, toi, je ne veux pas te mener à mes problèmes conjugaux. C'est pour ça. Ni toi, ni les enfants. Parce que c'est un problème qui ne regarde que moi. Mais ce que j'apprécie pas beaucoup, c'est cette façon, son comportement. Il sort quand il veut, il revient tard, il découche. Mais ça, tu ne peux pas continuer à l'accepter. Tu ne dois pas gommer ça, Ginette. Je sais, mais il ne faut pas que je le brutalise. Je pense surtout aux enfants. Et tu vois, c'est révolu l'époque où on disait à la femme, sois belle et tais-toi. Menace-le. Fais-lui du chantage. Dis-lui que tu te barres s'il ne change pas de comportement. Tu verras, ça marchera. Sur un coup de tête comme ça, je ne vais pas dire, bon, je fais ceci. Et s'il part de la maison comme il le fait, s'il va, s'en va, il revient plus. Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? Je crois que si tu avais des enfants, tu comprendrais mieux. Tu es ma soeur aînée. Tu as quelque chose en plus que moi, ne serait-ce que ton âge. Mais il y a une chose que tu ne peux pas comprendre maintenant, les enfants. Tu as des projets? Rien de concret pour moi. De toute façon, tu as tout le temps pour y penser. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si faire du chantage, s'il le faut. Je sais que c'est moche, mais c'est pour récupérer ta famille. Il faut te battre pour ça. Et ça, ne l'oublie jamais. Jamais. Je ne peux pas l'oublier. Vous savez, ça fait longtemps, bientôt 6 ans je crois, que la majorité d'entre vous travaillent pour moi. Et vous m'avez servi avec beaucoup de volonté. Vous avez remarqué depuis un certain temps que nous avons des problèmes dans la maison. Et ça fait 3 mois qu'on ne vous a pas payé. Donc vous vous êtes rendu compte que nous avions des problèmes. Face à tout ça, j'avais 2 solutions. Soit vous gardez et ne pas vous payer comme c'est le cas depuis 3 mois, soit aussi vous renvoyer. Malheureusement, je crois que pour vous et pour moi, la dernière solution, c'est la plus raisonnable. Je vais essayer de vous régler ce que je vous dois depuis 3 mois, et je vais vous renvoyer. Je vais garder Romaine parce qu'il y a le bébé, moi je travaille, Jaffé cherche du travail, Colette va à l'école, il n'y aura personne pour s'occuper du bébé. Donc, Romaine restera. Mais pour vous, Charles, Janvier, Jeannette, vous direz à Dieudonné que vraiment je peux. Je suis triste de me séparer de vous, mais je suis obligée. Je ne peux pas vous promettre de vous reprendre un jour parce que je ne sais pas si notre situation s'améliorera bientôt.
Mais je dis quand même que si ça va mieux, je penserai à vous. Charles, ça c'est pour toi. Et là, c'est pour Dieudonné. Tu essayes de le trouver pour lui donner son argent. Jeannette, ça c'est pour toi. Et Janvier. Pour Romaine, on est ensemble, donc on verra ça plus tard. Va t'occuper de l'enfant. Merci beaucoup, madame. Janvier, où est-il encore les traîner ces dernières semaines? Romaine, Romaine, c'est toi, Japhet? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as foutu une de ces trouilles. Et pourquoi? C'est que je t'ai entendu hurler et puis j'ai. Bah oui, je crie. Où est Janvier? Hein? Janvier? Où est Romaine? Où est tout le monde? Oh, il n'y a personne, mais tu as besoin de quelque chose. Il n'y a personne. Tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin. Je peux te servir. Quoi? Servir? Oui. Depuis quand ça? Mais il faut qu'il y ait un début à tout. Non? Un début à tout, pourquoi? Je veux me rendre utile. Donc, de toute façon, moi, je veux boire quelque chose. Ah bon, je te sers alors. Non, je ne vais pas. Mais où est Janvier? Enfin. Ah, je ne sais pas. De toute façon, comme tu ne veux pas que je te serve, alors moi, je m'en vais parce que je te suis. Bon, j'ai rien contre toi, mais où est Romaine? Où est Romaine? Où est tout le monde? Hein? Mais j'en sais rien. Ça va pas, ça. Ça pagaille, ici. Non, hein? Je te laisse. Moi, je sors. Tu sors? Oui. Mais pour aller où? Il est 23h, hein? Il est 23h? Alors, quelle coïncidence. Moi, j'ai 23 ans. Bonsoir, Javette. C'est pas possible, dans cette maison. Eh bien, bravo. C'est à parieur que madame se décide enfin à rentrer à la maison. Et avec ça, fringuée comme une pin-up. Est-ce qu'on peut savoir d'où tu viens? Tu deviens complètement fou. Hein? Quelle question? J'étais au travail. Ah et bon? Fringuée comme une pin-up. Je te rappelle que c'est toi qui m'as offert cette robe. Et tu me l'as offert pour aller au travail. Et à 23h. Figure-toi que je suis obligée de le faire pour qu'on joigne les deux bouts à la maison. Sinon, on crève. Bon. Oui. Des heures supplémentaires pour qu'on puisse survivre. Oui. Donc, il n'y a que toi qui travaille, bien sûr. Moi, je ne sers à rien, quoi. Tu ne sers plus à rien. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas la mienne non plus. Tu n'as plus de travail. Bon, d'accord. Mais ce que je veux, c'est quand je rentre à la maison, je trouve ma femme à la maison. Et puis, quand je suis arrivé, il n'y avait pas Janvier, il n'y avait pas, je sais pas moi, Romaine. Hein? Où sont-ils? J'ai dû renvoyer les boys. Quoi? Oui. Renvoyer? J'ai renvoyé tous les chauffeurs. Mes domestiques? Oui, monsieur. Tu accompagneras les enfants à l'école. Moi aussi, je pourrais le faire. Sans blague. Et Colette m'aidera à entretenir la maison. Comme voilà. Ça, madame a décidé toute seule que je vais faire le chauffeur, que je vais amener les enfants à l'école, je ne sais plus quoi, où. Hein? Moi, j'ai rien à dire là-dedans. C'était une décision urgente, monsieur, urgente, que tu tardais à prendre. Il y avait 3 mois d'arriéré de paiement des boys. Et puis, commençait à me casser les pieds à la maison. Ouais. Avec l'aide de Colette et de toi, bien sûr, on pourra s'en sortir. Alors, je les ai renvoyés. J'ai pu solder leur compte et puis ils sont partis. Mais bon, autre chose, tu dois vendre ta voiture. Ça devient vraiment urgent. Alors là, tu exagères. Hein? Si tu as un message, là je me fâche. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voiture? Tu veux que je marche à pied maintenant? Hein? On utilise la mienne. Tu vends ta voiture, on utilise ma voiture. Ouais, comme ça, quand tu vas à la clinique et moi, je fais quoi? Tu t'en vas avec la voiture, puis tu reviens me chercher après. Non, ça va pas, ça. Hein? Quoi, ça va pas? T'es décidé à me faire sortir de mes gonds aujourd'hui. Parce que tu vas pas mettre de l'eau là-dedans à la place du carburant. Il n'en est pas question, madame. Voilà.
Vas-y, sors. De toutes les façons. Ben oui, je sors, je sors. J'ai une journée difficile demain, alors vas-y, je vais me reposer. On ne tue pas Tantine. On est gentil avec Tantine. Et puis pose-moi ce pistolet et fais-moi vite ton calcul, d'accord? Regarde Karine, elle est très sage, elle. Il est toujours comme ça, lui. Moi, je t'ai rien demandé. Mais ça suffit. On va pas se disputer, mais non. Ça va, Karine? Alors, tout le monde est encore au travail? Oui, mais moi, j'ai fini. Ah bon? Tu demandes à Tata? Il a fini? Oui, il a presque fini. Bon, je crois qu'il est tard maintenant. C'est vrai. Allez, tout le monde. Il y a l'école demain, hein? Allez, je veux jouer à la moto. Ah non, il n'en est pas question. Va te coucher. Allez, Oli, Oli. Dépêche-toi. Allô? Ah, Gigi, c'est toi? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Une opération. Maintenant? Oh là là. Tu crois que ça va durer longtemps? Jusqu'au matin? Ah ben. Bon, je viens alors te chercher le matin? Ok. Non, non, ici ça va, oui, les enfants sont couchés. Bon, très bien. Bon, je cherche, bon, le matin, quoi. Allez, bon courage, chérie. Ouais. Tu es déjà prêt pour le dodo? Oh, je voulais bien me coucher, mais je n'ai plus du tout envie maintenant. En tout cas, moi, je n'ai pas fini. J'étudie encore. Tu es toujours à ton économie, là? Oui. Je peux t'aider? Ben, si tu peux. On va bien voir. Ok. Tu es à quel chapitre, là? Ben, je suis déjà très loin. Tu sais, c'est la fin de l'année, bientôt. Ouais. Je suis déjà assez loin. Ouais. Ah, vous avez déjà vu ça? Mmh. Mmh. Il faut bien que je me rappelle de tout ça, parce que... Ah, ce chapitre est intéressant. Tu sais, il m'a porté chance à une interrogation. C'est vrai? Ouais. J'ai de la chance, alors. Ça m'a donné 15 sur 20. J'en fais! Mais c'est quoi cette main qui se balade? Bon, ce n'était qu'une mise en condition, quoi, pour mieux apprécier. Mais on n'apprécie pas l'économie avec des doigts. Oh, si. Enfin... Bon, montre-moi ça. Ouais, je me rappelle bien ici, ouais. Mmh. T'as bien commencé là, hein? Tu vois que tu pourrais m'aider? Ouais. Enfin, attends, on verra ça plus tard. Tu sais, je t'ai pas bien regardé, hein? Ah ben, j'ai jamais vu... Oh, tu... que tu étais... Mais lâche-moi, mais qu'est-ce qui te prend? Non, attends. Mais lâche-moi. Coco.
est arrivé. Scapelle. Compresse. Déjà 8h30. Je ne vais même pas dormir. Ah merde. Ginette. Il n'y a pas de quoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été une longue nuit, hein? Oui, oui. Avec cette permanence. Fatigué, opération, c'était très dur. Mais je ne sais pas, un peu de café. Ah. À la maison. Tu es célibataire, tu es fatigué, ça va te remonter. Non, c'est pas de refus, c'est pas de refus. Ok, on y va. Oui. Juste le temps d'enlever ma clé, je suis à toi. D'accord, allons-y. C'est comme ça maintenant? Ah bon, quoi? Mais d'où viens-tu? D'où je viens? Ouais, à cette heure-ci. Ça, c'est la meilleure. Et puis avec tu devais passer me chercher, je t'ai attendu pendant une heure à la clinique. Mais une heure. Tu as travaillé toute la nuit, toi? Mais je t'ai pas téléphoné. De toute façon, vous étiez où, toutes les deux? Ah. Hein? Où étiez-vous? Tu peux me le dire? C'est pas vrai. On était en salle d'opération, tu le sais très bien, je t'ai téléphoné. En salle d'opération, il te ramène maintenant au petit matin. Mais bien sûr, hein? Il a eu la gentillesse de me ramener... Et regarde à quelle heure tu viens. Tu es resté tranquille. Il a l'amabilité de me raccompagner. Tu me dis, j'étais... Mais c'est quoi, je... quoi je me mêle, hein? On vous a pas sonné, vous, hein? Il a l'amabilité de me raccompagner. Tu me dis, j'étais... Mais vous commencez par moi, je me mêle. Docteur Fouda, s'il vous plaît. Pas docteur... machin, chose. Attention. Allez-vous-en. Allez chez vous, je vous connais pas. Mais pourquoi chez moi? Mais allez, tu délires complètement, toi. Moi, je délire. Eh bien, je vais délirer. C'est la meilleure, ça. Foutez-moi le camp. C'est la meilleure, ça. Ouais, c'est la meilleure. Foutez-moi le camp. Je ne vous connais pas. Mais pour un homme aussi respectable que vous. Respectable vous-même. C'est pas possible. Dehors. Bon, mais Ginette, je suis désolé. Ouais, dehors. Vraiment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On va, monsieur. Tu peux être fier de toi. Fier de moi, fier de moi. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas vrai, je rêve. On rentre le matin avec copains et après. Avec des quoi? Ben avec des copains. En fait, tu es devenu complètement fou. Fou? Tu comprends, fou. Ouais, je suis fou. Hein? Tu ne travailles pas, tu dors jusqu'à 8h du matin, tu viens pas me chercher, puis tu gueules quand mon collègue le raccompagne. Tu venais me chercher à quelle heure? À la clinique? C'est-à-dire, je passe une nuit à travailler et il faut que je t'attende pendant 2 heures. C'est ça, monsieur, parce que qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu dors à la maison, c'est ça? Avec ce mec là, hein? C'est la meilleure, ça. Oh, je crois que je rêve. De toute façon, c'est pas fini cette histoire. Hein. Je vais voir plus clair là-dedans. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
ici, la championne. Ouais, cocotte. Ça va. Où elle est ma serviette? Oh, je l'ai oublié. Mais tiens, j'ai une pochette. Ouais, vas-y. Viens. Qu'est-ce que c'est beau. Merci. Tu souris pas? Oh. Si. Bien alors. Allez, viens. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Comme quoi, rien. T'es pas souvent comme ça, toi? Ouais, c'est vrai qu'il y a un problème, mais je ne sais pas si je dois t'en parler. Si, vas-y. Non, c'est que c'est purement familial, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Franck, c'est affreux. C'est Japhet. Qu'est-ce qu'il y a? Japhet? Oui. Je sais qu'il est bizarre, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a violenté. Quoi? Il a détruit mon... Oh, merde, ça. Mais odieux. Et il voulait me violer, Franck. Calme-toi. Allez, viens. Non, viens, mon petit, calme-toi. Tenez pas. Calme-toi. Pleurniche pas. Allez, viens. On prend un peu d'air. Allez, ça va. On va laisser faire mon pouvoir. Écoute, tu parles. Pourquoi tu vas dire quand même? Écoute, c'est pas fini. Ça va, même, un peu cela, là. C'est pas ça. Je m'en occupe, d'accord? Tu me laisses faire? Mais puisque je te dis que c'est pas ton problème! C'est mon problème. Non, ça te regarde pas là! Écoute! J'ai envie de mourir! Non, mais écoute, tu vas pas faire ça. Je vais pas passer cette journée, bébé. Coco. 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 Tu vas pas dire une journée? D'accord. Elle est belle cette journée. Je m'en occupe, je te dis. Je m'en occupe. Le salaud, je m'en occupe. Enfin, ça fait 2 semaines que j'ai envoyé le message par le chauffeur de car, je ne savais même pas. Ah bon? Mais je ne l'ai eu qu'avant-hier. Avant-hier? Si. 2 semaines, je t'assure. L'essentiel, c'est que tu sois là. J'ai couru aussi vite que je l'ai fait. Je te dis, je me sens soulagée, enfin. Viens, on va en parler. Non, je te dis, nous avons roulé toute la matinée. Je suis essoufflée et j'ai chaud. Je préfère qu'on reste dehors. Tu as raison, il n'y a même plus de climatiseur à la maison. Ah bon? C'est donc si grave que ça? Où sont les enfants? Ils couraient là après les poulets, ils doivent être par là. Eric! Karine! Maman! Maman! Dis bonjour à tata. Ils viennent du village. Tata. Bonjour mon fils, ils ont grandi. Et où est le bébé? Il est là, il dort. Tu sais, il dort tellement, c'est comme ça qu'il grossit. Tu sais que je n'ai pas l'habitude de me plaindre. Sita, si je t'ai appelé, c'est que c'est grave. C'est très grave. Je ne vois plus Japhet. Je ne sais pas ce qu'il a fait de son indemnité de compression. Je ne sais pas, je ne le maîtrise plus. C'est pour ça que je t'ai appelé. Si tu peux essayer de lui parler, tu es sa grande soeur. Et même plus que ça, tu l'as élevé, tu es sa mère. Hé, hey, Sita. Tu es là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quoi? C'est elle qui t'a appelé, hein?
J'ai été compressé, d'accord, je ne sais pas, un miracle. Hein? Je peux retrouver du travail. Tu ne viens même pas au village. Tu restes là à te promener partout avec ta cravate. C'est ça qu'on mange? Faut que je reste ici avec ma cravate, comme tu dis, pour chercher du travail. Faut bien que je vive, moi. Hein? Et toi, comment tu as fait? Hein? Tu as vraiment bien réussi ta vie? C'est à moi que tu parles ce ton, Japhet. Tu oses me parler de cette manière? Hein? C'est moi qui t'ai élevé. Et j'ai tout sacrifié pour toi au détriment de mes enfants. Heureusement que eux, au moins, ils ne se plaignent pas. D'accord, d'accord. Tu t'es sacrifié pour moi. Je suis un. Hein? J'ai essayé de travailler et quand je travaillais, ça allait. Hein? Mais vous voulez me mettre sur le dos le fait que j'ai été compressé. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Enfin, les... sont tombés, entrons dans la maison. Quoi? Hein? Entrer ici, dans cette maison? Maintenant, je m'en vais. Et ne me retiens pas. Mais tu t'en vas comme ça? Tu es venu aussi pour moi. Oui, mais je n'entrerai pas dans ta maison. Parce que ton mari n'est pas un homme. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Je vais leur dire que oui, tu leur diras ce que tu leur diras. Je reviendrai quand il redeviendra un homme. Tu lui as donné de l'argent de ton corps? Je n'ai pas besoin de ton argent. Oui, il est ton argent. Tu en as? Ginette, tu as vu les photos de la dernière opération? Non, pas encore. Elles sont arrivées. Elles sont formidables. Le professeur en personne. Si, sa présence était vraiment nécessaire à cette opération. Oui. Si on pouvait revenir un instant à toi. À moi. Oui. Ça me fait de la peine que tu sois si triste. Ça se ressent tellement. Tellement. Surtout le sourire, elle a presque disparu. Ah, il est toujours là. Tu vois bien que je souris. Mais dis-moi ce qui se passe, il y a quelque chose. Tu sais, à la maison, ça va pas très fort. Le problème avec Japhet. Il est toujours aussi têtu. Toujours Japhet. Ouais. Tu sais, si Japhet était un enfant, hein, il recevait une belle paire de claques. Non, ne dis pas ça. C'est quand même mon mari. Si, j'ai pas dit le contraire. Mais tu sais bien que ce qu'il provoque à la maison a des répercussions ici chez nous. Oui, mais ça va s'arranger. Ah, je l'espère bien. Hein. Surtout pour toi. Eh bien, je voulais te rappeler que tu es pour moi une petite sœur. Et qu'il ne faut pas souvent hésiter. Hein. Si tu as un problème, serai toujours là. Merci pour ton aide. Bonjour madame Jaffé, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. On ne vous voit plus beaucoup. Hein? Bah, je suis là pourtant. J'avais qu'un cours à faire, mais comme il se fait tard, je vais rentrer. Les enfants sont seuls à la maison. Ça tombe bien. Comme ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. On profitera de l'occasion pour bavarder. Je peux d'accord. Vous déposer. Bien sûr. Allons-y. Madame Jacques, vous savez, ça fait longtemps que j'attends cette occasion d'être seul avec vous. Je sais que vous avez des problèmes en ce moment. Votre mari et vous? Bien sûr. Je peux vous être utile. Condition que vous soyez. Je peux vraiment. Quoi? Si vous êtes gentil, je peux tout faire pour vous. Je vous trouve du travail à votre mari aussi. Vous me décevez. Gardez votre travail et toutes vos solutions pour vous. Et quant à ma compagnie, il n'en est plus question. Je peux rentrer toute seule, j'ai mes pieds. Tant pis pour vous alors.
Ouais. Colette. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu t'en vas? Oui. Avec tes valises? Avec mes valises. Et où est-ce que tu t'en vas? À la cité. La cité? Et pourquoi? Tu n'es pas bien ici? C'est toi qui te poses la question. Tu as vraiment la mémoire courte. Japhet. Ah! Je vois, c'est pour la petite histoire de l'autre jour. La petite histoire. Tu es vraiment dégoûtant. Dégoûtant? Enfin, tu vas pas faire une montagne pour ça. Tu en as parlé à ta soeur? Mais va donc lui demander. Lui demander quoi? Je dis, monsieur, et si tu en as parlé à ta soeur? De toute façon, je resterai plus une seconde en plus dans cette maison. Bon, bon, et puis zut, tu fais ce que tu veux. Je m'en vais, Ginette. Tu fais quoi? Tu t'en vas? Ouais. Je suis désolée. Mais pourquoi tu pars? Mais hier, on en a parlé, Ginette. Je m'en vais. Mais tu vas où? À la cité. Tu vas à la cité? Il faut que j'apprenne à prendre mes responsabilités. Mais c'est pas le moment, tu es encore étudiante. Tu n'as pas les moyens de vivre seule, Colette. J'ai ma bourse, Ginette. Et franchement, c'est pas le moment avec tous les problèmes qu'on a dans la maison. Il y a déjà fait des bons. J'ai renvoyé tout le monde. Je me retrouve seule avec toi. Je te laisse pas, Ginette. Tous ces problèmes. Et tu me dis que tu t'en vas. C'est pour Franck que tu pars. Non. Ginette, tu sais bien que tu peux compter sur moi. J'y reviendrai. Mais il faut que je m'installe tu sais ailleurs. C'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai besoin de toi maintenant. Et tu penses à moi dans tout ça? Mais bien sûr que je pense à toi. On a besoin de se serrer les coudes. C'est vrai. Mais je pourrais t'aider étant à l'extérieur, tu le sais. Collège, je comprends rien. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je comprends pas. Tu sais, tu as déjà fait. Dis-lui, mais raisonne-la. Elle s'en va, mais pourquoi elle part? Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Elle veut partir et assure. Mais c'est tout ce que tu trouves à dire? Enfin, tu veux que je lui dise quoi, hein? Oh. Regarde bien la situation. Elle veut partir, elle veut partir, elle veut rien entendre. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? C'est tout ce que tu trouves à dire? Ben, j'ai bien essayé, mais ça n'a rien donné. Japhet, toi, vous vous entendez très bien? Oh oui, trop bien. Tu m'accompagnes un peu? Enfin, on peut t'accompagner à l'université? C'est très gentil à toi, mais je m'en vais. Tu peux bien être ici. Au revoir. Vous devenez tous bizarres dans cette maison. Bizarre, je comprends plus rien. Je ne comprends rien. Du jour au lendemain, tu décides de partir. Enfin, je crois que tout me tombe sur la tête. Hein, c'est mon lot. Moi, je sais plus quoi faire. Ne sois pas triste, Ginette. Fonfon, qu'est-ce que tu as, toi? Tu en fais une tête? Tu veux te baigner avec nous? Voilà, alors va aller chercher ton maillot. Voilà. Alors, tu veux pas nager? C'est quoi, c'est quoi? Oh! Franck, arrête! Arrête! Arrête, Franck! Arrête! Arrête! Arrête, arrête, Franck! Oh! Franck, arrête! 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 Hein? Allez! Arrête! Tiens! On est horrible! Oh, mais écoute, je suis pas très bon en plongeon. Hein. Mais je vais essayer. Allez, hop! Hé, hey, Fonfon, ça va? Oui, ça va. Mais Coco est là. Eh oui, je l'ai vu. Oh là là, ça va se gâter. Hé, hey, Coco, tu viens avec nous, là? Où? Ben, tu viens nager avec nous? Dans cette eau-là. Elle est toute souillée. Comment? Souillée? Alors là, tu déconnes. Hein? Tu réfléchis comme une gamine qui vient d'avoir son certif. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça, sale macho! Ah! Hello, Jara. Salut. Comment tu vas? Non, on peut aller, quoi.
Oh, ça va, toi? Ah oui, ça va, qu'est-ce que tu veux? Bon, tu bois quelque chose? Oh, non, merci, j'en ai déjà pris, je ne prends plus. Bon, comme tu voudras. Voilà. Ah là là. Ben, dis-moi, comment tu fais pour garder tout ce haut standing? Avec ta position actuelle, qui n'est vraiment pas enviable, je comprends pas, enfin. Ouais, je sais, mais tu sais aussi que ça fait 10 ans que j'habite ici. Ouais. Puis j'ai mon environnement familier, c'est difficile de se débarrasser de ça. Comme ça, de but en blanc. Reviens sur terre, mon cher ami. Tu sais, moi j'ai réfléchi comme ça au départ et puis je me suis dit non. Si je reste à ce niveau-là, c'est sûr que je vais chuter. Bon, je sais que c'est pas bien, mais enfin, j'y arrive pas. En effet, il faut vraiment beaucoup de courage. Tu sais, moi, j'étais obligé, n'est-ce pas, de me séparer de certaines choses que j'aime bien. J'ai dû faire une petite affaire. Et comment tu as fait pour lancer ça? Mais c'est les indemnités de mon licenciement. Et puis, j'avais mis un peu d'argent de côté, économie. Oui. Ouais. Alors qu'avec Amina, qui est vraiment une femme entreprenante, ça, je l'admire beaucoup, nous avons dû monter cette affaire de commerce. Et ça marche? Oui, ça ne va pas très fort, tu sais, avec le temps qui court. Mais disons que ça va. On a de quoi subsister. Mais c'est pas facile aussi de se décider, tu sais. Avec un peu d'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Faut pas réfléchir. Je crois que c'est bien pensé, ça. Mais avoue qu'il faut quand même un certain courage pour se lancer. Il faut vraiment le faire. Surtout, n'attends pas. N'attends pas trop longtemps. Bonjour, papa. Ça va? Ça marche pas. Ça m'intéresse. Que vous me prenez sur nos relations, mademoiselle. Parce que Franck et moi, nous sommes des amis d'enfance et nous avons grandi main dans la main. Ah bon? Oui. Je ne sais pas si vous a parlé de nous, mais nos familles sont très très unies, très très rapprochées. Et il lui arrive parfois de plaisanter avec moi, ce qui a peut-être vous a froissé tout à l'heure. Mais si vous le connaissiez, blagueur comme je le connais, je ne pense pas que vous feriez cette mine. De toute façon, qui que vous soyez, Franck est à moi. Je l'aime. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je le comprends. Ne vous fâchez pas, je le comprends. Mais moi, je l'aime aussi, mais d'une façon différente. Il est comme mon frère. Et je suis comme sa sœur. Et si vous l'aimez, vous devez le comprendre. Et je suis sûre que vous pouvez le comprendre. Ouais. Vous devez aussi me considérer comme une sœur. Bien sûr. On fait la paix? Oui, on fait la paix. Merci, Pamela. Je vous en prie. Merci beaucoup. Tu as faim? Très faim? Alors tu vas manger. C'est pas bon ça. C'est brûlé. Si, c'est bon. C'est très bon. C'est du mongo, tu vas voir. Moi, je préfère les steaks. Bah écoute, hein, mon vieux. Les steaks, ça coûte cher. Hein. Le filet de bœuf coûte 1200 au marché. Moi, j'aime les steaks. Tais-toi, les manges. Eric, écoute, ne fais pas cette tête. Enlève ton mouchoir, on va manger. Qu'est-ce que je te sers? Plantain ou macabo?
Plantin, mais moi j'aime bien fait tout. Oh, écoute, hein, on va faire avec ce qu'on a. Tu arrêtes de... On va avec Rexou. Non, mais tiens, il va rester avec Romain. Ce serait trop encombrant de Romain. Et comme on ne passe que la journée, je préfère qu'il reste là. J'ai fait. Comment il a su? Dis donc, je sais pas. Mais alors toi, je te cherche partout. D'où tu viens là? Je suis venu chercher Coco. Coco? Bah, et oui. Puis vous avez trouvé notre chauffeur maintenant? Mais qui comment ça? Un autre chauffeur? C'est qui ça? C'est son ami. Quoi? Son ami. Ah lui, ce voyou là? Mais pourquoi tu l'appelles voyou? Un peu de respect quand même. Un voyou? Un peu de tenue, tu te comportes comme un gamin, c'est vrai. Faut pas traiter des gens de voyous comme ça. Tu es un voyou? Ouais. Il est venu à la maison, il s'est comporté comme un voyou, non? Mais il y a certaines choses que je n'admets pas. Ah bon? Messieurs, si je ne me retenais pas, je vous cassais la figure. Non, Franck. Non, pas ça. Laisse-le se deviner. Mais non. De toute façon, Ginette, on va ou non? Hein? Bon. Franchement, c'est exagéré. Oh, exagère, qui, moi? De plus en plus de problèmes. Leur couple ne fait que s'enfoncer et puis ça me fait très mal. Alors, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ça n'a pas changé? Non, non, il n'a pas changé. Toujours au chômage? Ouais, toujours au chômage. Mmh. Ah. Et là, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va pas passer la nuit ici? On pourrait peut-être aller à la digue. Ah, mais ça, c'est une bonne idée. Ah, c'est très romantique. Ah tiens, soit c'est le romantisme et moi c'est le sport. Toujours, oh, t'as toujours pas oublié, le sport, hein. Je vais être jaloux. Mais j'adore le sport. Alors, on s'en va. Allez, tiens. Voilà. Okay. Ça, rien. Oh, je m'isole pour faire le point sur tout ce qui m'arrive. Au bord de l'eau? Mais oui, c'est calme, c'est reposant. Mais c'est très dangereux. Non, Colette, n'aie pas peur. Alors, on s'en va? Ouais, il vaut mieux qu'on s'en aille. Bien. Thank you.
Alors, Gigi, qu'est-ce que tu fous là? Hein? T'as des fourmis au lit? Hum? Alors, on va dormir? Tu pues l'alcool. Qui ça, moi? Tu rigoles. Allez, on déménage, non? Hein? Allez, yes. Ah, s'il te plaît, arrête. Ne me touche surtout pas. Regarde la tête que tu as. Ouais. Toute cette sueur, c'est pas uniquement la chaleur. Hein. Ouais, la ville est chaude, bien sûr, mais mon vieux, ça c'est l'alcool qui dégouline de ton visage et ça pue. Mais c'est la chaleur, et c'est ça, et c'est ta faute encore. T'as plus le climatiseur, sous prétexte qu'on est pauvre. Hein. Ça c'est ta faute encore. Et qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce tu qu'on es capable est de payer une autre d'électricité dans cette maison? Tu racontes des histoires. Allons nous coucher. Tranquillement. On reparlera de tout ça demain matin. Hein? Tu veux? T'as oublié que c'est moi, monsieur Camseux, ton mari? Hein? Et quand ton mari te dit, va te coucher, il n'y a pas à discuter. Tu es quoi? Ton mari! Tu n'es plus mon mari. Ah bon? Non. L'homme que j'ai épousé était travailleur, responsable, rangé. Mais toi, qu'est-ce que tu es devenu? Fais ton bilan aujourd'hui. Tu es une épave, la honte de la famille. Tu bois à longueur de journée. Est-ce que tu sais ce que sont devenus tes enfants? Tu les vois presque pas. Tu sais comment marche ta maison? Non. Mon mari. Regarde-toi. Regarde la tête que tu as. Ah bon? Ça veut dire que je suis devenu inutile? Inutile, moi? Bien sûr, tu sais plus à rien. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne sers plus à rien, moi. Hein? Je ne sers plus à rien? Eh bien, entre dans cette chambre et tu verras si je ne sers plus à rien. Hein? Allons-y! Ne me touche pas. Ne me touche plus. C'est la dernière fois que tu mets tes mains sur moi. Quoi ça? Moi? Moi, tu ne me touches pas et tu ne me toucheras plus jamais. Entre dans cette chambre, grossier personnage. Eh ben, tu y vas, toi. Je ne te toucherai plus, moi. Ton mari, tu es comme ça. Mon mari. Tu n'es plus mon mari. C'est pas toi que j'ai épousé. Je n'ai pas épousé un inconscient. Et puis que je te dise, demain, hein, je partirai avec les enfants. Puis s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je veux me coucher. Ça passera. Qu'est-ce qui passera? S'il te plaît, laisse-moi. Ne me dérange pas. Tu as besoin de repos, toi aussi, sous comme tu es. Il est fait de haut, de bas, de joie, de peine. Elle est tout simplement insaisissable. Japhet, Ginette, c'est tout simplement la vie. Déjà surtout le matin. Gigi? Oui. Hier j'ai été vraiment affreux avec toi, n'est-ce pas? Je te le fais pas dire. D'ailleurs, on peut profiter du fait que les enfants soient à l'école pour en reparler. Je maintiens ma position. Si tu ne te ressaisis pas, je déménage. Tu tiens vraiment à partir? Je tiens à partir. Je ne tiens pas à partir, mais s'il faut que j'en arrive là pour le bonheur des enfants, je le ferai. Si je m'en vais, je suis sûr qu'on pourra s'en sortir avec mon maigre salaire. Tu sais, quand j'ai perdu mon boulot, je dois avouer que j'ai été vraiment défaillant. Je n'ai pas pu admettre cette situation. Et
Ça m'a poussé à avoir les attitudes négatives que j'ai eues ces derniers temps. Mais j'espère que tu vas bien me les pardonner. Je veux bien te pardonner, mais il faut que tu te décides à faire quelque chose. Enfin. Oui, je sais. Regardez, avec une indemnisation moins importante que la tienne, il a pu se refaire une nouvelle vie. Ne cherche pas uniquement un travail de bureau. Tu sais, tu es vraiment une femme formidable. Je ne savais pas que tu pouvais comprendre tout cela, comme ça. D'abord tout ce que j'ai fait, et puis toute la situation que cela a créée. Mais je sais que j'ai eu beaucoup de chance de t'avoir comme épouse. Pour rien au monde, je voudrais te perdre. Et pour cela, je vais faire tout ce qu'il faut. Je vais me battre comme un petit diable. Mais je trouverai quelque chose pour ma famille, pour toi, surtout pour toi. Et les enfants. Moi non plus, je ne veux pas te perdre. Tiens, je crois que tu as besoin de force pour le nouveau départ. Merci. Je crois que j'en ai vraiment besoin. Je vous remets voilà. Le chèque. Hein. Je vous remercie vraiment. Et j'espère que j'aurai pas de problème. Non, aucun problème, je vous assure. Vous avez fait une bonne affaire, je vous assure. Non plus. Ok, ouais. Vous voulez beaucoup que je vous accompagne? Oh, non, merci. Vous savez, je préfère pas. Non. Non, je préfère pas. Mais je préfère ne plus me retourner. Bon, allez, faites bien, les jeux. Hein.
Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la Jaguar. La Jaguar? Je l'ai vendue. Vraiment? Oui. Tu vois, c'était pas si difficile que ça. Oh oui, tu avais raison. Et je suis sûre que ça nous servira pour notre nouveau départ. Je crois moi aussi. Je vais m'y employer de toutes mes forces, je t'assure. De toute façon, je te l'ai promis. Assieds-toi. Ok, merci. Je t'attendais pour appeler la banque. On l'appelle immédiatement. Ouais. Et je crois que nous allons avoir la réponse immédiatement aussi. On va bien voir. Allô? Oui, la tour, l'appareil. Je voudrais Monsieur Rock, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Rock. Oui, la tour à l'appareil. Dites-moi, je voulais savoir si vous aviez reçu les pièces complémentaires qui vous manquaient, à savoir le dossier de M. Camseux avec les titres fonciers, titres propriété, etc. Oui. Bien. Auriez-vous d'ores et déjà des éléments de réponse à me communiquer? Oui. C'est positif. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je vous remercie infiniment. Est-ce qu'il est possible de me le confirmer par trois lignes de Telex? Et nous passons vous voir dès cet après-midi. Oui. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Je vous remercie infiniment. À cet après-midi. Au revoir, Monsieur Rock. Ça marche. Formidable. Voilà. C'est extraordinaire. Chapeau, mon vieux. Bien. Tu es efficace quand tu le veux. Normal. Ah. Je te propose de fêter ça devant le déjeuner. Et comment donc? Allons-y. Oh, formidable. Aussi. On a suffisamment arrosé et comme il pleut, ça n'a pas besoin tellement d'arrosage. Qu'est-ce qu'il t'explique là? J'étais en train d'expliquer que pour les choux, bon, comme vous voyez que c'est un peu plus mieux, c'est qu'en saison de pluie, on ne peut pas arroser suffisamment. Ouais. Tu peux aller voir l'autre tranche là-bas. Hein. Je crois qu'il y a... Hé hey, les enfants, venez par là. Venez, non, non, il y a de la boue là, passez par là. Souvent là, hein, ne marchez pas sur les yeux. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Dès que tu arrives, tu coupes un poireau. Et tu sais, hein, Christian, si tu continues à faire des bêtises, moi je t'amène plus ici. Hein. Je dis à tes parents que je ne veux pas t'amener ici parce que tu fais des bêtises.
Hein? Et leurs parents étaient d'accord qu'ils viennent ici? Bien sûr, on passe un week-end tranquille dans un coin là. Juste derrière le village, derrière les collines, là, c'est leur village. Ah bon? Et comme ils voulaient bien venir avec moi. Ah, ils voulaient venir ici? Bien sûr. Ça vous intéresse l'agriculture? Oui. Ah ouais, c'est parfait. Hein? Ah, c'est bon l'agriculture. Vous ferez comme moi. Hein? Ça intéresse même les enfants. C'est très bien. Bon, écoutez, on va y aller parce que hein, je crois qu'il faut qu'on voyage tout à l'heure. Hein, Jafet, si ça ne te gêne pas. Oh ouais. Hein? Si, si. Donc il faut qu'on pense à rentrer. Hein? Ok. Bon, allons-y les enfants. Comment ça va? Alors, ça va, Jacques? Ouais, ça va. C'est super, tu vois. Non, je travaille, hein. Ah, tu vois? Je crois. Ouais. Bah écoute, je crois qu'on a dépassé toutes les prévisions. Je crois même qu'on va pouvoir commencer à rembourser la banque par anticipation. J'y pensais déjà. Voilà. Ouais. Et l'année prochaine, on est au-delà des collines. Ouais. Je crois qu'il faut absolument faire ça. Ouais. Et Ginette? Je pense aussi. Non, Ginette, ça va très bien, elle est toujours à la clinique. Mais chaque week-end, elle vient me voir ici. Ouais, d'accord. Elle s'adapte très bien, ouais. Tu sais. Bon, alors moi, écoute, j'ai pensé une chose. Vu le nombre d'employés qu'on a, il nous faut une infirmerie. Ouais. Hein? Alors, ça, c'est vrai. C'est que tu vois ça avec le chef d'atelier ou le chef d'entretien. Mmh. Hein? Et puis, du côté de l'entrepôt là-bas, ouais. Hein? Essayer de faire monter une infirmerie. Ouais. Hein? On passe la commande de matériel à Douala. Et puis, je propose que ce soit Ginette qui occupe le poste. Quoique, point de vue espace, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai un magasin encore inoccupé là-haut, ouais. Au premier niveau. Là. D'accord. Ça ira très bien. D'accord. Avec Ginette aussi. Hein. Ouais. J'allais te le proposer justement. Je pense aussi. Et tiens. Bien. On parle du... Ah ben la voilà. Mais la voilà qui arrive. Ok, allons. Hey, oh Gigi, ouais. Devine qui est là. Ah, Jacques en personne, c'est ben pas oui. Vrai. Ça va. Et toi, ça fait une longtemps. Éternité, hein. Tu arrives. Non, il est passé tout à l'heure, là, ouais. Il n'y a pas 20 minutes. Tous les week-ends, je me réfugie ici, c'est vraiment super. Hein, tu vois, je crois que Jafet a peut-être une bonne nouvelle à t'annoncer. Voilà, enfin c'est lui qui t'annonce. Eh oui. Alors, qu'est-ce que vous me cachez? Rien, je te dirai tout à l'heure. Bon, ok, tu restes d'agir avec nous. Hein. D'accord, ok, avec plaisir. Ok. Bon, je vous attends à la maison, ok? D'accord. Vas-y. Dis donc, tu te rends compte? On a réussi tout ça.